civilisation dans laquelle paraît être entrée l'humanité tout entière. N'oubliez pas que nous sommes, selon toute probabilité, à peine au début d'une longue série de guerres révolutionnaires, de contre-révolutions et de désastres de toutes espèces. Ne soyez pas pressés. Dans le très possible retour à la barbarie de l'espèce humaine, même sans pouvoir disposer des précieuses réserves d'une grande tradition historique. Les masses, avec l'aide efficace de la guerre, de la faim, de la radio et de tout le reste, peuvent tout à fait redevenir barbares. Dieu me garde de mettre en doute la sagesse de vos professeurs, de vos autres collaborateurs. Et pourtant, on vraiment abétir les masses, tous les efforts des meilleurs propagandistes ne seraient que d'inoffensifs bourdonnements de mouches du cauchemar sans la collaboration décisive des massacres guerriers et l'éternisation de la misère. Scandalisez pas, je vous prie, si j'appelle les choses par leur nom, si j'évite les périphrases, c'est afin de rester plus clair. Or il est désormais établi que du fait des guerres nationales ou civiles et du chômage prolongé, se produit un phénomène de désagrégation des consciences ayant pour résultat qu'un nombre toujours plus grand d'individus en arrive à ne plus avoir une activité psychique normale. Chez les victimes d'un pareil état de choses se manifeste une graduelle atrophie de l'esprit accompagnée d'une hypertrophie des facultés psychiques inférieures de nature instinctive et automatique. Parle bien, tout à fait en général, de la masse des combattants et des chômeurs, y compris leurs familles et tous ceux qui, pendant un temps prolongé, ont été ou sont soumis à des émotions trop intenses. Quelques cas d'exception, mis à part l'exception, l'expérience montre que l'esprit humain, en de telles épreuves, son équilibre habituel cesse de pouvoir penser avec pondération, aussi entre le plus sombre désespoir et un optimisme ingénu, et devient la proie facile de toute démagogie. Démagogie. L'insécurité physique et l'incertitude du pain quotidien, si elle se prolonge pendant des années, l'homme fut le plus normal, le plus cultivé, le mieux éduqué à une situation où ne compte plus que les angoisses, atavique à un état qui, après des siècles d'évolution, paraissait définitivement dépassé. Et c'est là très exactement l'état de grâce à la faveur duquel s'imposent les totalitaires. Non pas les totalitaires de salon, mais les vrais, les désespérés, dont la seule apparition en un lieu public suffit à engendrer l'épouvante.